Salut tout le monde, c'est Polo, bienvenue sur Brawl Stars. Alors c'est le moment de jouer à ce jeu parce qu'il y a un gros événement qui se passe en ce moment. On n'a pas le temps de niaiser. Si on va dans la section info à droite, regardez ce qui se passe. On peut obtenir des prix stars ou des méga boîtes. Il faut aller les chercher, voyons donc. Faisons un peu de lecture comme si on lit un article de journal. Méga boîte ou prix star, un méga boîte ou 6 prix stars. Ça c'est pour l'instant parce qu'il y a 3 rondes, ça c'est la première ronde. Donc vous préférez recevoir 10 méga boîtes ou 60 prix stars. C'est à vous de décider. L'événement communautaire hashtag box versus jobs blabla commence maintenant avec les prix stars et l'XP doublé et se termine le 25 août. C'est bientôt ça quand même. La partie la plus importante se retrouve ici, écoutez ça les amis. On compte à nouveau les éliminations dans chaque mode de jeu, match amicaux inclus, il y en a 3 paliers. Les voici, 2 milliards d'éliminations. Vote pour une méga boîte ou 6 prix stars. 8 milliards d'éliminations. Ok, ça commence à monter vite, oui. Vote pour 2 méga boîtes ou 12 prix stars. 16 milliards d'éliminations. Vote pour 7 méga boîtes ou 42 prix stars. Wow, c'est crazy. Alors moi là, je vais passer mon premier vote tout de suite. Alors personnellement, moi je veux des méga boîtes parce que les prix stars, on en a beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, méga boîte confirmé! Haha, c'est pas comme si on peut avoir des méga boîtes chaque jour. Et en plus, regardez en bas à droite, on peut avoir double prix star pendant tout l'événement. On en a déjà assez, les amis. Moi, là, tout ce que je veux, ce sont des méga boîtes. Parce que la dernière fois, là, j'ai... Oh! Au tout début, on m'en donne une gratuite? Arigato gozaimasu! Yo, ça c'est pas l'une des meilleures mégabottes que j'ai eu de ma vie, ça. What the hell? Oh my god, je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais juste à aller chercher ceci. Ainsi que ceci. Oh boy, ok, yo, ça c'est intéressant. Et puis, yo, je vais remarquer quelque chose. Ma porte est ouverte là-bas, là. Il faut que j'aille la fermer parce que sinon ça crée des coups. Donnez-moi une seconde. Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que c'est mieux maintenant? J'espère que oui, parce que si c'est pas mieux, il y a un gros problème. Alors, je suis vraiment désolé pour le son du micro tout à l'heure. Si c'était pas wow là, j'ai complètement oublié de fermer la porte. Et on a un nouveau brawler! Squeak, squeak, squeak! J'ai toujours voulu l'avoir. Peut-être que je vais l'amener au pouvoir 11. Il a l'air intéressant. Donc, brawler au choix. Je crois que je vais prendre Lola juste là. Comme ça. Parce que... Je sais pas ce qu'elle a dit là, mais bon. Si on va ici, là, je tiens à vous dire que j'ai joué hors vidéo. Et puis, j'ai avancé mon passe-brawl au complet. Le truc, c'est que je vais prendre Grom. Lui aussi, là, il y a l'air intéressant. Quand je joue en classé, là, lui, là, il détruit plein de gens. C'est totalement crazy. Alors, je vais le tester après. Mais regardez ça. On a tellement de trucs à débloquer. J'ai joué beaucoup en vidéo. Alors là, on va tout débloquer ça tout de suite. Let's do this. Freestar. Je n'ai rien. Ah, ok, alright. Attendez. Le cash ici, j'en ai besoin. Les blinks, j'en ai besoin. Ça, on va prendre ça. Ok. Alright. D'accord. Regardez ça, j'ai rien ici. Je le savais, c'est pour ça qu'il faut prendre les méga boîtes, les amis. Vous avez vu dans la méga boîte de tout à l'heure, j'ai eu tellement de cash, tellement de double XP ici. Ça, là, c'était totalement crazy. En plus, si on est chanceux, on peut avoir des skins ou des brawlers, hein, alors. Ouais. Ou bien les prix stars. Votez pour les méga boîtes, les amis, je vous en supplie. Allez, on continue, on ouvre tout ça. Ow. Ok. Ouais. C'était pas fameux. Pra. Est-ce que je vous ai convaincu là? J'espère que je vous ai convaincu les amis. Allez, on continue, on prend le cash. Nouvelle icône de joueur que je vais jamais utiliser. Moi j'adore les trucs des défauts. Chaque fois que je joue à des jeux vidéo, même si on me donne plein de cosmétiques, plein de ci, plein de ça, d'habitude j'utilise le truc des défauts. Oh, j'ai des skins. Nice. Nouveau skin, Emily Méduse Noire. Plusieurs d'entre vous m'ont dit que je peux pogner le brawler si je complète le passe au complet. C'est ce qu'on va voir. Et oh, attendez, changer pour débloquer Emery. Ah, ça marche comme ça. Attendez, si je fais plus tard. Oh, what? Ok, ok. Oh, je savais pas qu'on pouvait faire quelque chose comme ça. Ok, ok, alright. Mais est-ce que je vais vraiment le débloquer ou bien j'ai une chance de le débloquer? C'est ça l'affaire parce que ce bonhomme il est très très bon en classé. Merci pour ce skin que je pourrais littéralement jamais utiliser. Naisu. Ok, attendez une seconde. On va faire ça comme ça. Oh! Oh, j'ai presque débloqué Lola. Oh! Yes! Oh my god, les amis, maintenant je peux utiliser Colt avec son méga charge de fou! Ok, attendez. Bra!
Est-ce que je peux le débloquer? Non. Ah, ok. J'ai juste une chance de le débloquer. Parce que dans les commentaires, j'ai lu que je peux le débloquer comme directement en complétant le pass au complet. Ça a l'air que non. J'ai juste une chance. Ça va bien, mon affaire. Bon, ben, les amis, ce que je vais faire, c'est aller ici. Et puis le changer! Let's go! Donc, ouais, changer. Comme ça, je peux le débloquer. Parce que j'ai vraiment envie de le débloquer. Il est super puissant, c'est crazy. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de gagner tous nos prix stars, juste pour le plaisir. Alors, on va utiliser les nouveaux bonhommes qu'on vient d'obtenir qui se retrouvent. Ah, tout d'abord, ici, avec Squeak. Et on va jouer en survivant solo au pouvoir 1. Let's do this. Je sais qu'on a passé notre temps sur le lobby depuis le début de la journée et je suis vraiment désolé. Mais parfois, il faut le faire, les potos. Alors, yo. Oui, crazy ou quoi? Tu peux plus sauter s'il spam... Il n'aurait jamais dû spammer ça comme ça. Donc, c'est ça. Squeak, là, il fait ça à longueur de journée. Il me semble que c'est un bon bonhomme de contrôle. Je l'ai vu... utilisé souvent dans zone de contrôle, c'est ça le mode de jeu? Il me semble que c'est ça. Attends, pra, pra, pra. Ok, mon petit bot, il a pris du temps à die, bro. Et ça, c'est quoi? Ah, ok, ça fait plein de squeak, squeak, boum, boum. I like this. Il y a un autre plus, c'est que mon bonhomme est super cute, les amis. Attendez, je vais utiliser le squeak, 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 here un peu. Comme ça, je peux voir ça ressemble à quoi les dégâts. Si je fais ça... Ça fait zéro dégâts. Et évidemment. Ouais, ça va bien, mon affaire. Mais bon, dis-moi, les amis, croyez-vous que je devrais l'amener au pouvoir 11 pour pouvoir l'utiliser en classique? Moi, là, je veux vraiment devenir un gros joueur, là, parce que vous savez, je joue hors vidéo. Et ah, c'est vrai, on a deux prix ça. Ça, c'était le premier. Et ça, c'est le deuxième. Voilà. Oh my god, tellement de récompenses aujourd'hui. Je joue hors vidéo et je suis rendu à mythique. Et encore une game. Si je gagne une game. Je reviens à légendaire. Et là, après, moi, je vais être star, là. Alors, moi, je vais améliorer les bons bonhommes, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, prochain bonhomme que je vais utiliser, attendez... Oh, c'est vrai! Vous savez, lui, là, je l'ai obtenu hors vidéo. On va le tester, et vous me dites si je devrais l'utiliser. On va aller en survivant solo aussi, parce qu'il est juste pour avoir un. Alors, regardez ça. Donc, si je fais ceci, ça fait boum, boum, deux fois. Oh, même trois fois? C'est du poison. Attends, c'est... Oh, attendez, si je te touche et tu bouges. Oh, j'ai t'empoisonné longtemps. J'ai toujours cru que si tu restes sur cette flaque là, là, tu t'empoisonnes à longueur de journée. Ah, ok, ok, ma bad, ma bad. Nani! Attends, j'ai pas peur de toi. Ok, je commence à avoir peur de toi. Alors là, là, ça, là, c'est mon super. Ça me permet de contrôler mon ennemi, c'est ça. Mais... Ouais, je sais pas si c'est très très bon là, pour être honnête avec vous. Alors, devrais-je l'améliorer? Dites-le moi, les amis. La face, c'est que si je contrôle un bonhomme, et en plus il faut que je vise bien, eh ben, regardez ça. Je suis vulnérable, non? Mon bonhomme, regardez, il est à gauche alors. Ah, waouh, j'ai même pas pu attaquer qui que ce soit. Mais ouais, je suis vulnérable pendant que je contrôle quelqu'un alors. Si je joue en équipe avec des potos, ben, des inconnus, est-ce que c'est bon? Ouais, j'attendais qu'il me tue parce que je vais passer à autre chose. Vous voyez ce que je dis? Alors, je sais pas si je devrais l'améliorer. C'est ça l'affaire. Alright, maintenant, on va utiliser le dernier bonhomme que j'ai obtenu aujourd'hui. Grand Marino. Lui, il a l'air intéressant parce que, regardez ça, quand je shoot ça, là, ça fait ça. Alors là, des fois, là, je peux pogner mes adversaires même si j'ai pas l'intention de les pogner. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, là, j'ai l'intention de le pogner et ça marche pas parce que... Je vise comme un nulos, ça va bien mon affaire. Mais regardez ce qui se passe lorsque je vise bien. Oh oh, je peux toucher trois bottes en même temps. C'est nice ou? Et oh my god, yo. Le colt là, il m'a stressé. Yo, brother. Ça va super bien mon affaire pour vrai. Alright, et pourtant, je vais arrêter de niaiser, regardez ça. Oh oh. Attendez, est-ce qu'il va avoir le doute? Ok, ouais. Ça là, c'est un méga graboum là, regardez ça. Wabam! Yo, c'est nice cette affaire-là pour vrai, non? En plus, j'ai pas attaqué à travers les murs, c'est ça qui est super intéressant. Je sais que je suis supposé rester derrière les murs et attaquer de loin pour pas me faire toucher. Mais moi, j'aime ça foncer sur mes ennemis, c'est juste ça l'affaire. Mais bon, est-ce que je devrais améliorer ce double-là? Oujo! Oujo! Ouais, j'ai complètement foiré mon coup. Attendez. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui vit super mal. Mais, même si je vise mal avec ça... Je devrais pouvoir toucher mes ennemis, non? Regardez ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors,
Croyez-vous que lui, je vais l'amener au pouvoir 11 et ça me tente de le faire. Je l'aime bien. Je crois que je vais le faire, en fin de compte. Oh, j'ai débloqué d'autres prestars, regardez ça. Ok. Please, les amis, votez pour les Megabats, je vous en supplie. Bon, j'ai encore deux prestars à aller chercher, alors on va jouer... Ah ouais, je crois que je vais jouer avec Grom. Je vais le tester dans zone réservée. C'est là où je le vois le plus souvent, ou bien des fois dans... Comment ça s'appelle? En anglais, c'est Knockout. Vous savez, vous avez une vie, vous devez détruire l'équipe adverse, là, et whatever. Mais bon, en tout cas, je suis pouvoir 1. Je sais pas si je joue contre du monde avec une tonne de pouvoir, mais c'est ce qu'on va voir. Pour l'instant, moi, je reste ici et je protège ma... Attends, ma petite maison! On lance des trucs comme ça! Oh, oh, oh! Je crois que je commence à aimer Grom beaucoup. Je vois le potentiel de ce loot là, man. Ouais? Ouais, ok. Je vais l'amener au pouvoir 11, les amis. Le truc, c'est que j'ai Dynamite qui est super puissant. Il est au pouvoir 11, j'ai tout. Les gears, j'ai tout, les Insa. Mais je sais pas pourquoi, j'aime pas l'utiliser, pour être honnête avec vous. Je sais qu'il est fort. Tu peux one-shot tes ennemis. Tu utilises ton gadget. Ensuite, tu le stun. Ensuite, tu continues à attaquer à longueur de journée là, et tout. Là, mais je l'aime pas. Regardez ça. Donc, si je vais ici... Attendez, niveau de pouvoir, ouais, mon Dynamite, il est full gear et tout, mais quand je l'utilise, je sais pas, j'aime pas le feeling de l'utiliser, alors je crois que je vais utiliser le petit Grom qui est là à la place. Est-ce que j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie? Mais si c'est la plus grosse erreur de ma vie, je l'amène au pouvoir 7 minimum, parce que ça coûte pas cher. Attendez, 7, voilà, comme ça je peux au moins avoir un truc ici, donc... Tour de garde. Grom sort une tour de garde de sa bombe, permettant à tous les alliés de voir tout dans les buissons sur une large zone. Oh, la tour perd ses points de santé petit à petit. D'accord. Chaîne de montage. La prochaine attaque de Grom lance 3 bots les uns à la suite des autres. Oh boy, je sais pas comprendre. J'ai décidé de prendre chaîne de montage et on va voir si on peut détruire le monde ici. Dans les moins de secondes. Attends. Oh, Billy! Qu'est-ce qu'il fait, le petit Billy? Ok, on est une chaîne de montage. Ah! Oh my god, c'est beau cette affaire-là, pour vrai. Ok, attendez une seconde. Et ici, mon petit... Blah, blah, blah! Oh my god. Ok, je l'aime beaucoup plus, le petit Grom, man. Wouhou! Tu peux pas partir, frérot. Attendez. Je crois qu'il veut viser là, man. Oh my god, il part vraiment en vacances, le dude, hein. Voilà! Yo, je sais pas si je joue contre des bots en ce moment, mais tout ce que je sais, c'est que j'adore mon bonhomme, man! Ok, attendez. Ah, lui, il est dead. Ok, oui, c'est un bot, lui, non? Oulio! Ok, j'ai des super mal, je l'avoue, ma bad, man. Oulio! Je l'ai emporté avec moi, alors c'est pas si grave que ça. Je sais que je dois rester derrière les murs. Je le sais, mais moi, là... Viens s'enfoncer sur les autres, juste pour plaisir. J'adore ce petit bonhomme. Je vais tous vous chasser. Voyons, cette fois-ci là, je vais bien jouer. Oh my god. Attendez. Contorino. Ok, yo, le petit Colt là, il est crazy, bro. Attendez, j'ai utilisé mon gadget. Ah. Là, c'était un tank, cela ne veut rien dire, frérot. Bah. What, Nani? Ok, mon poteau m'a bloqué. Oh my god! Nice! Double takedown! Et c'est la fin pour toi, mon petit château! Blah, blah, blah. Il a... Juste quand je voulais utiliser mon super, j'ai complètement foiré mon coup. I cannot believe this! Oh my god! Je crois que j'adore trop Grom, whatever. Je vais l'amener au pouvoir 11, sûr à 100%. Cette fois-ci, on va jouer à Brawl Ball. Je sais qu'il n'est pas très très utilisé ici. Non, en fait, il est quasiment jamais utilisé ici, là. Mais ce n'est pas grave, on est là juste pour avoir du plaisir. Oh, oh, attends, on peut y aller, bro. Oh my god! Oh, ce gars-là est insane! Et on a déjà marqué! Bravo, Carlos. Ok, je vais utiliser mon gadget, là. Oh, yo, 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 yo! Personne n'aura ça! Oh wow, c'était plus facile que ce que je pense, les amis. Prenez ça, les potos! Blop, blop! Victory! Back to Lobby Bomb!
a marqué. Son nom était bizarre. Ouais. Ah oui, en passant, pendant l'événement, là, on a de double expérience, hein. N'oubliez pas, regardez ça. Victoire, ben expérience. Doubleur, ben expérience. Événement doubleur, ben expérience. Alors, en tout, j'en ai 60. C'est crazy! Mais bon, ça, c'est mes derniers prix stars que je peux avoir aujourd'hui. Votez pas les Megabots, je vous en supplie. Je vous en supplie, votez pas les Megabots. Mais bon, alors, c'est quand qu'on peut avoir la première récompense après 2 milliards d'éliminations? Je sais pas si on est bientôt arrivé à destination là, mais bon. Donc, n'oubliez pas, touchez la grosse boîte qui est là, là. Ouais, voyez? Touchez la grosse boîte, je vous en supplie. Mais bon, on a un prix ça à aller chercher, et après on va se laisser pour l'instant. Et la prochaine fois, on va jouer en mode classé, juste pour obtenir notre petit rang légendaire, là, juste pour le plaisir, ben c'est ça. Mais pour l'instant, on se quitte, et on se voit la prochaine fois. Alors mes chers potos, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Aujourd'hui, on s'est bien amusé sur ce jeu vidéo, parce qu'il y a un joli événement en cours, les amis. Double prix star, double expérience, et peut-être une tonne de mégabats qui vont se retrouver dans nos poches. Les mégabats, je vous en supplie, les mégabats, votez pour ça. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel, me suivre sur ses réseaux sociaux, blablabla. Thank you very much, on fait de ça pour le temps, amigo. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!